Bah, le groupe, on aura une équipe qui sera compétitive et bien compétitive par rapport au groupe qui est constitué. C'est vrai qu'on a rajouté quelques joueurs pour permettre de pallier en cas du Covid. Ça nous a permis d'avoir la chance de pouvoir récupérer certains joueurs français en ayant cette attente-là. Maintenant, il faut se dire que ceux qui sont là actuellement, ils ont leur place, s'ils sont en équipe nationale A, c'est qu'ils le méritent. Là, on aura une équipe compétitive pour battre le Mali, parce qu'il nous faut les 3 points aussi, absolus. On est chez nous, on est dans notre nouveau stade, donc il y a hors de question de penser à autre chose que la victoire. Pour vous, la logistique n'est pas difficile, c'est pareil pour tout le monde. On a la chance en Guinée d'avoir une certaine liberté. Par rapport à ce que je connais, quand mes enfants m'appellent de France, c'est autre chose. Donc, la difficulté, il faut savoir la gérer. Et c'est avec mon staff, avec la fédération, qu'on est en train de gérer tout ça. Et je pense qu'on est en train de mettre quelque chose en place pour ce match du Mali, quelque chose qui tienne très bien la route. Notre problème, on est quoi? On veut quoi, là? On veut finir premier. Donc, premier, c'est aller gagner les deux matchs. Qu'est-ce qu'on va s'occuper du Tchad qui joue pas, ça tombe, ils auraient joué, ils auraient perdu 3-0 aussi. Donc, on s'occupe pas de ça, on s'occupe de nous. On a discuté, j'ai discuté longtemps avec Liverpool et avec Naby, pour pouvoir avoir justement au départ notre capitaine un match
Et le match pour moi qui est le plus important, le Mali. C'est ce que j'ai discuté aussi avec d'autres présidents ou d'autres entraîneurs et directeurs sportifs. C'est pour ça qu'on a notre groupe est un peu augmenté. Il y aura certainement deux groupes différents, mais ce qui est important, c'est qu'on ait toutes nos forces pour ce premier match. Et après, on verra pour le Mali. Il y aura une autre équipe qui sera certainement plus réelle avec ce qu'on a vu au Chan, avec leur qualité. Je leur ai déjà dit qu'il fallait qu'ils augmentent leur jeu parce que l'équipe nationale A, c'est encore autre chose, que je les ai trouvés très bons pour le Chan et qu'il fallait passer un palier. On ne sera pas amoindri. Ils ont la qualité pour aller gagner là-bas et surtout qu'en plus, le terrain de là-bas est assez difficile et qu'ils ont plus l'habitude de jouer sur des terrains difficiles. Merci à vous.